Shalom Bracha, que Hachem vous protège dans la santé et la joie. L'une des plus belles histoires que j'ai écoutées pendant mon voyage, c'est une femme que j'ai pas vue depuis longtemps. Depuis longtemps. Je me rappelle, cette femme-là, elle avait pas d'enfant. Et toujours, elle venait avec son mari pour des brachot, pas le zikhout, de Rabbi Chaim Pinto, pour qu'elle ait des enfants. Et après, je ne l'ai plus revue. Bon, j'étais aux États-Unis, je reçois les gens, et je vois une femme avec Blenara, 6 enfants, 10 filles et des garçons, et son mari. Lorsque j'entends le nom, je leur dis, mais on dirait que je vous connais. Ils m'ont dit oui. À Paris, on venait chez vous tout le temps. Et on a reçu beaucoup de brachot par le mérite de Rabbi Chaim Pinto. Et on est venu en Amérique. Et on allume tout le temps la veilleuse de Rabbi Chaim Pinto. On n'a pas arrêté. Malheureusement, entre-temps, vous êtes partis. Vous avez quitté Lyon. Et beaucoup de fois, on a essayé de vous contacter, mais grâce à Dieu, on a entendu que vous êtes là. Ben, voilà, on est venu vous voir, grâce à Dieu. Voilà nos enfants, voilà Haïm, voilà Moshe, voilà David, voilà Mazal. C'est de la folie. Elle a dit, lorsqu'on est arrivé en Amérique, la seule chose qu'on s'est dit, on continue toujours avec Rabbi Chaim Pinto, par son mérite. Et grâce à Dieu, voilà, ils sont tous là, on les a eus, comme ça, dès qu'on est venu, l'un après l'autre, Baruch Hashem, voilà, on est venu simplement dire merci à Kadosh Baruch Hu pour le bonheur, j'écoute, ça m'a rappelé une très belle histoire de quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir des enfants, et les médecins lui ont dit, il n'y a rien à faire. Il faut divorcer et marie-toi avec une autre. Cette femme, elle ne peut pas te donner des enfants. Et le pauvre, ce monsieur-là, il a dit, mais j'aime ma femme. Et ils lui ont dit, bah, tu as le choix. Reste avec elle, mais tu n'as pas d'enfant. Mais, ou bien, si tu veux adopter. Il a dit, non, moi, je ne veux pas adopter, je veux des enfants de ma femme. Eh bien, si tu veux des enfants de ta femme, eh bien, tu peux attendre toute la vie. Tu peux attendre. Le pauvre, il a eu de la peine. Il dit au médecin, bon, je vois que, mettons, j'ai que Hachem. Celui qui a donné à Rachel et Meno, celui qui a donné à Rivka, celui qui a donné à Sarah, celui qui a donné à Hannah, eh bien, il me donnera. Alors le médecin, il a commencé à rigoler. Il a dit, eh bien, allez-y à Maharat à Marpella, où ils sont enterrés toutes, et cherchent le tombeau de Hannah, et eux, ils vont prier pour toi, de la même façon que eux, ils ont eu sur. Alors lui, il dit au médecin, vous rigolez sur moi. C'est comme ça que vous parlez de notre Torah. Il a dit, ben oui. Vous dites que eux, de la même façon que eux, ils ont eu, Dieu va te donner, alors on va voir. Il me raconte ce monsieur-là. Il me dit comme ça. Rabbi David, je veux une bracha de Rabbi Chaim Pinto. Parce que je veux montrer à ce médecin-là qu'il n'y a que Hachem. Et je veux que j'ai 4 enfants. Je veux que ma femme ait tombé enceinte de 4 enfants. Il est fou, celui qui l'écoute. Il est fou. Mais moi, je ne suis pas fou. Parce que je sais qu'avec la émouna, on peut tout avoir. Eh bien, je lui dis, mon fils, si tu as la émouna, eh bien, quand je vais au cou, il te donne les 4. Alors, ne viens plus me voir, parce que ce n'est pas bien que tu viens me voir. Et c'est pas peine d'aller voir aucun rabbin. Toi et ta émouna. Prie Hachem
qu'il te montre sa force pour que tu vas chez ce docteur-là, tu lui dis voilà. Voilà. Rachel, Sarah, Rachel, Léa et Hannah. L'histoire, elle s'arrête là. Vous voyez pas qu'il y a un nom. Et il a eu quatre filles. Quatre filles. Le même jour, il va chez le médecin. Il lui montre la photo des quatre filles. Voilà, docteur. Sarah, Rachel, Léa et Hannah. Toi qui as dit qu'il n'y a rien à faire, et je t'avais dit, il y a Dieu. J'ai pas été à Hebron, à Maharet HaMarpella. J'ai prié. Le médecin, il allait devenir fou. Il n'a rien compris. Mes amis, c'est ça la chaîne. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen.